Salut, c'est Sonia. Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu souhaites avoir des informations sur le sac à dos Coco ou Kaiko. Je regarde si je ne me plante pas. Coco, oui, bah oui, Coco, Kaiko. Enfin, vous avez vu, de toute façon, vous le voyez vous-même dans la rue. Hein. Donc, alors, on va voir ce que ça donne. J'ai reçu comme ceci en 24 heures, donc avec mon compte Amazon Premium. Il est emballé, donc, là, il est en blanc. On va voir. Je vais l'ouvrir, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Parce qu'en ce moment, dans mes revues, j'ai tendance à faire des conneries. Ah ben, c'est scotché, les amis. Super scotché. The last one. Voilà. Donc, voici le sac que je vais ouvrir. Ah ben, c'est une pochette zippée, en fait. Ah ben, c'est bien, ça va permettre de le ranger également. Je vais l'occuper. En fait, c'est une sorte de dust bag, le sac anti-poussière. Ah là là, ah, mais là je lis. Oh. Oh, écoutez, on passe plutôt pas devant. Ah, c'est pas ça. What? Alors, c'est la Fiuco. Ah, c'est pas Fiuco, c'est Fiuco. Bon, écoutez, oui. Ah, on a un petit carnet, en fait, c'est ça. C'est juste un petit carnet de notes. Bon, pourquoi pas. Donc, on va passer au sac en lui-même. Je vais vous montrer les différentes, pochettes de rangement. Voici, donc il y a une principale et une ici. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Ben, c'est bien, il y a des pressions, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé d'aller vous prendre la tête avec les sangles de fixation. Qui semblent de bonne qualité d'ailleurs. Pareil avec le rappel de la marque... sur le métal. Alors, on va voir ça. L'intérieur est conforme à ce qu'on voyait sur les images. C'est-à-dire qu'il y a des... C'est un tissu. Un tissu... comment on appelle ça? Rayé. Rayure. C'est de l'écru, du blanc et du rouge. Donc, c'est sympa. On entre à l'intérieur. J'espère qu'on va bien voir. Alors, à l'intérieur, on dispose de combien de pochettes? Non, ça c'est pas une pochette. Donc ici, donc contre, au niveau du dos, en fait, il y a une petite pochette. Ce qui est intéressant, là je vois, elle est légèrement rembourrée. Donc ça permet aussi de pouvoir ranger des accessoires éventuellement quelque peu fragiles. Voilà. Donc, sinon, c'est vachement grand. Hein. On doit pouvoir mettre, je crois, un ordinateur de 18 pouces, hein, au moins. Donc c'est pas rien. Et il y a deux autres petites pochettes comme ça, basiques. Toutes basiques. C'est tout à l'intérieur, je crois, ouais. Sérieux, c'est un beau sac. Il est vachement spacieux. Bref, on continue. Donc, il y a en outre une petite poche en façade. Pareil, qui s'ouvre de la même manière. Ah, bien. Et en plus, c'est bien parce que pour éviter justement que les objets ne sortent, hop, il y a un zip. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça représente en termes de taille. Le logo pareil de la marque, Coco, Kaiko. Ça fait peut-être mieux Kaiko que Coco, hein. Non, je sais pas. Vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et donc, on va sur les latérales. Il y a... C'est élastique ou pas ça? Oui, légèrement élastique. Il y a donc des sangles et des petits rangements. Vous pouvez mettre une boisson par exemple. Et là, pareil en fait. Pareil. Alors, au dos. Tiens, l'étiquette, on n'y est pas passé. Ouais. Ouais, ça fait vintage. Alors, le rembourrage. Je vous montre un petit peu. C'est bien rembourré. Ouais, là-dessus, c'est du bon. Je pense que ça va vraiment préserver vos épaules du poids que vous allez mettre à l'intérieur. Et pareil ici, hein. C'est bien rembourré. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est le porter. Je vais mettre un ordi portable dedans. Et quelques petits trucs. Puis je vais aller faire un petit tour. Et je vous dirai ce que j'en pense. Tout simplement. C'est ce qui est le plus simple à faire. Voilà, donc j'espère que cette revue vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez le moindre commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre au plus vite. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Ciao !